préparer la messe et surtout la galette. D'ailleurs, comment trouver la fève à coup sûr? Question cruciale. Vos enfants ont leur technique, c'est certain. Soulever discrètement la pâte feuilletée ou bien attendrir aussi l'adulte chargé de couper les parts. Oui, le chantage affectif, technique imparable. Oui, alors la fève, hein, ce petit bout de céramique, ou c'est de la céramique, mon ami. Oui, oui, c'est ça. Qui parfois n'a aucune valeur, mais pas dans cette boulangerie lyonnaise où la fève, là, pour le coup, est très, très intéressante. Oui, alors c'est un trèfle à quatre feuilles, rien d'original, me direz-vous, sauf que si vous la trouvez, vous gagnez bien plus qu'une couronne dorée en carton. Vous allez comprendre avec le reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Bougeon. Je vais prendre 5 ou 6. Ouais. Voilà plusieurs jours que la pâtisserie Flochon, dans le 9e arrondissement de Lyon, ne désemplit pas. Ses galettes des rois, fines et dorées, et caramélisées avec un peu de sirop de marron, sont parmi les plus réputées de la ville. Et cerise sur la galette, cette année, il y a une grosse surprise dans l'une d'entre elles, explique Marine Flochon, la pâtissière. Si vous avez la chance, vous allez trouver une fève en forme de trèfle, avec l'inscription gagnant dessus. Et cette fève-là, elle vous permet en fait de gagner un diamant d'une valeur de 980 €. Nous, on l'a fait pour remercier nos clients. Mais comment fait-elle pour offrir un tel cadeau alors que pour elle aussi la facture énergétique explose? On ne l'achète pas, c'est en fait le bijoutier Cellini qui est lyonnais qui nous le fournit à titre gracieux. Ça lui permet d'avoir une petite visibilité en plus sur la région. On ne se voyait pas refuser de faire plaisir à un de nos clients, ça n'aurait pas été envisageable. Il y aura donc bientôt, malgré la crise, un client très heureux parmi les acheteurs des 8000 galettes qui sont fabriquées durant tout le mois de janvier chez Flochon. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1. Ouais, pas mal le diamant à 980 €. Alors moi quand même, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, c'est la galette caramélisée au sirop de marron. Ouais. Quand même, parlons-en. Ouais, ça a l'air tout simplement délicieux.